Bien d'accord avec vous. Choisir mon emploi, c'est pas toujours simple, mais choisir mon association, que ce soit bénévolat ou loisir, devient aussi assez compliqué, car on trouve vraiment de tout. Bénévole au vent est une comédie qui raconte l'histoire d'un jeune retraité qui fait son étude de marché. Et cette pièce m'a donné l'occasion de dresser, avec l'aide de mon amie Béatrice, une typologie du monde associatif. Premier constat. Avant, on choisissait entre loisir ou bénévolat. La tendance actuelle est de rechercher une association qui combine les deux. Mon association caritative me sert aussi de club. Le bénévole fait face à un grand choix. On peut préférer militer dans une multinationale ou dans une petite structure locale. Comme on ne peut trouver les deux dans la même structure, la tendance va vers le temps partagé. Un peu dans le même ordre d'idées, je peux être sensible ou non à l'image de l'association. Si vous ne voulez pas être déçu par une association, imprégnez-vous de cette loi de la nature humaine. La qualité des relations au sein d'une organisation n'est en rien liée à la qualité des valeurs qui fédèrent ses membres. Je peux souhaiter apporter des prestations intellectuelles, du genre aide à l'emploi, ou alors du style resto du cœur. Je peux aussi souhaiter trouver une association qui réfléchit et agit. Ça existe. Avant de m'engager, j'ai intérêt à vérifier l'ambiance interne, qui peut être très variable. Il faut encore distinguer les vieilles dames et les récentes. Les vieilles dames sont souvent devenues des fins en soi pour occuper un président, un secrétaire et un trésorier. Elles ont souvent été créées pour régler un problème qui n'existe plus. Mais le gardien du temple est là pour s'assurer que rien ne change. Bon, dans les associations nouvelles, bah, c'est un peu le Far West. Les indépendantes et les subventionnées. Encore un autre choix. Avoir de l'argent, mais dépendre du conseil général ou s'autofinancer. Là encore, c'est vous qui voyez, mais c'est pas neutre. Renseignez-vous sur la gouvernance. Ça va du despote éclairé qui se venge de ce qu'il a subi dans l'entreprise, jusqu'au baba cool le plus laxiste dont l'angélisme frôle la bêtise. C'est le moment de me souvenir que bénévolence signifie si je veux bien. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, c'est vous qui voyez.